vie où nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu comment notre lumière peut briller. Comment on peut arriver à vraiment voir l'éclat de notre lumière briller au milieu des ténèbres. Briller au milieu des ténèbres. Et nous avons, le Seigneur nous a conduits magistralement par plusieurs enseignements. Et nous avons abordé récemment la question de forteresse, la question des prisons intérieures, la question de ces voix qui nous parlent avec audace, de ces voix qui nous intimident, de ces voix qui nous empêchent de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, ces voix qui nous empêchent de marcher sur les rails de sa volonté, ces voix qui nous empêchent de manifester ce que Dieu a enfoui et déposé en nous. Et ces voix, ce sont ces forteresses, les voix qui t'amènent à croire qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus enfanter, qu'on ne peut plus étudier si on n'a personne qui paye les études, qu'on ne peut plus sortir d'une situation déplorable que l'on a vécue depuis l'enfance, alors que le Seigneur nous dit par sa parole que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que la liberté soit ton partage dans le nom de Jésus. J'ai dit que la liberté des enfants de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Alors ce matin, ou cet après-midi, en début d'après-midi, nous voulons parler sous ce thème: identifie et démolis les prisons intérieures qui pourrissent ta vie. Ces prisons intérieures pourrissent ta vie. Ces prisons intérieures, ce sont ces forteresses. Ces forteresses, nous les avons expliquées, nous avons démontré que c'était des prisons intérieures. Comment c'était des prisons intérieures? Parce que l'homme fort n'a l'emprise sur toi qu'à travers des prisons, des forteresses qu'il établit. Et ces prisons et ces forteresses, il les établit depuis ton enfance. Il commence à les établir par les associations. Il les établit par l'environnement dans lequel on grandit. Il les établit à travers la culture dans laquelle l'on grandit. Il les établit aussi à travers la famille, là où on grandit, l'environnement familial où l'on grandit. Non seulement cela, mais il les établit aussi à travers les événements déplorables de la vie. Des choses terribles qui nous sont arrivées. Des choses pas appréciables qui te sont arrivées. Des choses douloureuses. Des événements douloureux de la vie. Il en profite. Le diable en profite pour venir établir des châteaux, des forteresses dans lesquelles il tient beaucoup les enfants de Dieu. Beaucoup sont sortis et nous sommes sortis car le Seigneur a dit que nous avons été transférés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Mais comme les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, mais ayant l'Égypte en eux, l'ennemi avait déjà placé des châteaux, avait placé des forteresses, des systèmes de pensée. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas oublié la viande qui était dans l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas oublié les légumes, ils n'ont pas oublié les oignons. Ils sont sortis, mais il y a des forteresses qui les ont encore tenus. Et beaucoup aujourd'hui se pose la question: pourquoi je ne vois pas la manifestation de mon héritage? Pourquoi je ne vois pas la manifestation de ce que Christ a fait pour moi? Pourquoi je suis encore enfant de Dieu? Je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, je jeûne. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce domaine n'est pas débloqué? Pourquoi je suis encore tenu par les hommes et les maris des nuits? Pourquoi je fais encore des rêves impurs? Pourquoi je me retrouve encore emprisonné dans la masturbation? Pourquoi je me retrouve encore emprisonné dans la fornication, dans l'adultère, le mensonge? Mais je ne comprends pas, je suis enfant de Dieu. Et il est dit que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il nous a donné le pouvoir. Mais pourquoi je n'exerce pas le pouvoir? Pourquoi je ne domine pas? Je crie que je domine sans faire exprès. Je déclare que je domine sans faire exprès. Mais dans la réalité de la vie, c'est comme si ma vie était emprisonnée. C'est comme si je me retrouvais dans des tombes. C'est comme si rien ne fonctionnait. Et même quand je vois que j'ai l'argent, mais en réalité, je n'ai pas la joie. En réalité, je souffre dans mon fort intérieur.
En réalité, mes nuits sont comme des nuits de deuil, de lamentation, de pleurs, de cris. Mes moments seuls sont des moments où je pense à ma peine, je pense à ma douleur. Je pense à aux parents qui sont décédés. Je pense à comment je n'ai personne pour payer mes études, pour payer mon université. Si j'avais, et cette voix te dit, si j'avais mon père, si mon père était encore vivant, je ne serais pas dans cette situation. Mais qui t'a dit que tous ceux qui ont fini les études, leur père ou leurs parents étaient vivants? C'est des voix mensongères qui viennent établir des systèmes de pensée contraires à la parole de Dieu. Des systèmes de pensée contraires à ce que Dieu a prévu pour toi. Et bonne nouvelle, en ce mois d'octobre, ces forteresses vont tomber. Car la parole prophétique est sortie au mois d'octobre. Les forteresses qui sont restées, la délivrance, la libération, elle est progressive. À partir de janvier jusqu'à maintenant, il y a eu de la progression. Il y a des forteresses qui sont tombées. Il y a des forteresses qui ont été démolies. Il y a des choses qui ont été renversées. Il y a des hommes forts qui ont été délogés. Mais il y a encore des forteresses subtiles qui sont cachées, que tu n'as pas encore découvert. Et le Seigneur veut que tu rentres réellement dans la manifestation de ta destinée. Et dans cette saison d'enfantement de la destinée, les forteresses doivent être démolies. Dis avec moi, démolies. Dis avec moi, démolies. Et les forteresses, c'est toutes ces manières de penser qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent à ce que Dieu dit. Tout ce qui vient s'opposer à ce que Dieu dit, c'est une forteresse. On a déjà compris que les raisonnements, c'est lorsque il y a ces voix qui s'oppose à ce que Dieu dit. Mais on y ajoute une raison. Je suis triste parce que je n'ai plus mes parents. Raisonnement. Je suis célibataire parce que je viens d'un pays où les femmes ne se mariaient pas ou ne se marient pas avant un certain âge. Auteur. Et raisonnement. Raisonnement. Ça, c'est des raisonnements. Mais les auteurs, c'est lorsque quelqu'un peut haïr une personne sans raison. Lui là, je ne l'aime pas. Lui là, je ne l'aime pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, donc tu comprends que les forteresses, c'est ces voix qui utilisent le jeu pour s'opposer à ce que Dieu dit de faire, pour s'opposer à ce que Dieu dit. C'est des voix qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais ces voix s'associe au raisonnement lorsqu'il y a une justification qui est ajoutée. Le parce que. Je lui ai répondu parce qu'elle m'a insulté. Alors comme elle m'a insulté, elle m'a cherché. Je lui ai donné sa part. Je lui ai montré qui met l'eau dans le coco. Parce que. Non, parce que il n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse. Alors il saura de quel bois je me chauffe. Ça, c'est des raisonnements. Mais les auteurs, c'est juste que quelqu'un peut arriver un matin à l'église et puis il boude tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Je me suis juste levé et puis je n'ai pas envie. Tu vois, à un moment donné, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu t'es réveillé, tu n'as pas envie de saluer les gens dans la maison. Tu n'as pas envie de manger à la maison. Tu n'as pas envie de prendre ce que les autres préparent. Tu n'as pas envie de saluer quelqu'un. Tu te lèves, il y a des parents, ils s'élèvent comme ça. Il n'a pas envie de saluer les enfants. Il n'a pas envie de saluer sa femme. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? C'est comme ça aujourd'hui. J'ai envie d'être seul. J'ai envie d'être seul. Comme ça. Tu te lèves comme ça, fâché. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Laisse-moi tranquille. Et là, il y a toujours un petit homme fort de la colère qui vient derrière et qui souffle, qui dit n'accepte pas. Dis-lui simplement que tu as besoin d'être seul. Tu n'as besoin de personne. C'est juste comme ça. Et quand on va insister, attention, ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Tu arrives à l'université. Les amis disent, hey, comment ça va? Comment était ta fin de semaine? Ça va. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Odeur. Mais ce matin,
voulons parler d'abord des forteresses. Quelqu'un dit les forteresses. Chaque fois que tu sais qu'une chose est mauvaise pour toi, chaque fois que tu sais que cette chose s'oppose à la parole de Dieu, chaque fois que tu sais que cette chose ne concorde pas à la volonté de Dieu pour ta vie, mais que tu ne parviens pas à t'en débarrasser, tu ne parviens pas à abandonner. Tu sais que la fornication est mauvaise, mais tu n'arrives pas à abandonner, tu n'arrives pas à lâcher. Tu sais que les paroles injurieuses ne sont pas bonnes, mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu sais que le mensonge n'est pas bon, mais tu n'arrives pas à arrêter de mentir. Chaque fois, tu ajoutes toujours un petit piment de mensonge. Et comme tu parles beaucoup, la Bible est claire, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, tu finis toujours par péché. Mais il y a une forteresse derrière. Laquelle? La forteresse qui te dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand tu veux parler, parle, raconte. Il faut que tu parles, il faut que les gens soient contents. Et à vouloir plaire aux gens, tu finis par mentir. Forteresse de mensonge. Tout le monde connaît un certain type de forteresse. Mais il y a des forteresses subtiles. Aujourd'hui, quand on veut te parler de la forteresse, par exemple, de la peur, tu peux dire, oh, la peur, oui. Parce que tu l'identifies peut-être plus facilement. Quand on veut te parler de la forteresse de la fornication, tu l'identifies peut-être plus facilement. Mais il y a d'autres forteresses qui sont tellement cachées que le Seigneur veut révéler et t'amener à les identifier. Et je prie que ce matin, le Saint-Esprit t'aide à les identifier. Dans le nom de Jésus, et tu me donnes un bon amen. Tu essayes de sortir de certaines choses. Tu essayes de sortir du vol. Tu essayes de sortir de la manipulation. Tu essaies de sortir de la dissimulation. Mais tu n'y arrives pas. Tu te dissimules. Tu parais être une personne correcte. Mais à l'intérieur se cache une autre personne. Une personne remplie d'aigreur, remplie de malice, de ruse. Une personne prête à faire du mal. Beaucoup s'approchent de nos jeunes sœurs. Comme des brebis, comme des agneaux. Mais en réalité, dans le fond, ils dissimulent leur stratégie. Combien de jeunes sœurs se sont fait prendre par des frères emprisonnés dans des forteresses, des dissimulations, des manipulations. Et après, ils se retrouvent, on a couché ensemble. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Et le frère aussi dit, j'ai pas compris. Mais oui, lorsque tu n'identifies pas une forteresse, elle devient un piège pour toi. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Lorsque tu ne sais pas que c'est une forteresse, tu cohabites avec. Et quand tu cohabites avec une forteresse, tu cohabites avec l'homme fort qui est derrière la forteresse. Et l'homme fort vient pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour égorger, il vient pour voler. C'est que Christ a fait pour toi à la croix. Je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Donc ces forteresses viennent pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Viennent pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et font en sorte que les hommes forts qui se cachent derrière font de nous des esclaves. Esclaves de la cupidité. Esclaves de l'envie. Esclaves de l'impatience, de l'amertume. Esclaves du mensonge. Esclave de la paresse. La paresse est une forteresse. Beaucoup pensent que c'est juste une mauvaise habitude. Non, un peu de nonchalance. Je suis un peu lourd ces derniers temps. Et Satan est subtil. Il te fait croire juste que c'est une mauvaise habitude. Il te fait juste croire que, bon, tu vois, c'est juste quelque chose de passager. Ça va aller. C'est juste, voilà, juste une mauvaise habitude. C'est juste pour un temps. Ah non, non. Ces derniers temps, le culte, bon, j'ai pas envie. Je suis un peu... Je suis un peu lourd. Et quand tu en parles avec un bon français, un bon anglais, alors que c'est une forteresse de la nonchalance qui te prend. Tu veux étudier? J'ai pas envie d'étudier. J'ai comme envie juste, bon voilà, me coucher, de regarder une bonne série, coucher, avec un bon thé chaud à côté. Et puis je peux passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épisodes.
la forteresse de la paresse. Elle est aussi subtile. Beaucoup pensent que c'est juste une mauvaise habitude. Calomnier, critiquer, partager les erreurs des autres. Ah non, tu vois l'autre, oh, c'est terrible. Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu ce que la personne a dit? Tu as entendu ce que la personne a fait? Est-ce que tu sais que tel, voilà ce qui lui est arrivé. Ça, c'est une forteresse subtile. Des murmures, des commérages. Et des fois, beaucoup sont dedans sans les savoir. Ah, tu sais, tel, j'ai appris. Et pendant que tu racontes une personne, deux, trois, quatre, cinq personnes. Et comme aujourd'hui, il y a WhatsApp, comme aujourd'hui, il y a Facebook, il y en a même qui font des messages déguisés sur WhatsApp. Il met un chant, mais le chant là, attention, c'est pas pour adorer Dieu. Le chant là, dans une autre langue, c'est il jette. C'est comme il jette quelque chose sur quelqu'un. Il est en train de viser. Alors comme il ne peut pas viser direct, il met un chant, mais il sait que ça va toucher au but dans le noir. Beaucoup mettent aussi sur leur statut des paroles. Ils mettent des petites phrases juste pour partager l'info. Et on se sent à l'aise. On pense que non, c'est correct. Mais c'est correct, moi, qu'est-ce que je fais de mal? Et le diable te tient dans cette prison. Mais le comble, c'est que cette prison-là va faire en sorte que des connexions, des destinées ne s'allient pas à ta vie. N'oublie pas, la grâce que tu n'honores pas, tu n'en bénéficies pas. Et le diable te dit non, c'est normal. Quand tu critiques les autres, quand tu parles mal contre les autres, toi tu es à l'aise. Parce que tu parles, tu es à l'aise. Et le diable te fait croire que c'est normal que tu le fasses. Mais alors que tu es en train de critiquer, alors que tu es en train de parler, en réalité, il y a une forteresse de critique qui est là derrière et qui va s'associer ah, une forteresse de rejet que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à discerner et qui va faire en sorte qu'à un moment donné, les connexions des destinées ne vont pas s'associer à toi. Les connexions des destinées. Bien-aimé, ta bouche peut attirer et ta bouche peut éloigner. Ta bouche peut attirer les connexions des destinées et ta bouche peut les éloigner. Même sans que tu l'aies parlé de vive voix en direct. Quelqu'un dit, je refuse. Je ne veux pas ça. Et je prie que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Des mentalités, des systèmes de pensée contraires à la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que le combat que nous menons en réalité, ce n'est pas un combat charnel. Donc au verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Dis avec moi, à l'obéissance. Est-ce que tu peux dire encore avec moi, à l'obéissance? Donc, le but pour lequel on doit renverser les forteresses, c'est pour que nous puissions obéir à la parole. Et le but des forteresses, de ces voies intérieures, de ces prisons intérieures, c'est de faire en sorte qu'on n'obéisse pas. Donc nous devons les renverser pour que nous soyons obéissants. Parce que l'obéissance déclenche le miraculeux et le surnaturel. L'obéissance ouvre des portes que personne ne peut ouvrir pour toi. Une personne qui marche dans l'obéissance, c'est une personne qui va être distinguée. C'est une personne qui va marcher à ciel ouvert. C'est une personne qui va parler, déclarer. Et ce qu'il ordonne, le Seigneur vient l'accomplir, vient le réaliser. Pourquoi? Parce que celui qui est obéissant sera rempli de l'esprit. Parce que l'obéissance t'amène à vivre la conduite du Saint-Esprit. Par ton obéissance, tu donnes les manettes, la direction au Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ton obéissance fait en sorte que tu donnes le commande
à l'Esprit de Dieu. Et quand tu donnes les commandes à l'Esprit de Dieu, tu marches dans le surnaturel. Tu vis une vie surnaturelle. Ta vie de prière devient différente. Ta vie en couple devient différente. Ta vie à l'université devient différente. Dans tes études, tu es rempli de sagesse, d'intelligence, de connaissances, de conseils. Et les gens ne comprennent pas, mais de quel monde tu viens? Je suis un enfant du royaume. Oh, quelqu'un a manqué une bonne occasion de dire un bon amen et d'acclamer le Seigneur. Et dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu. De faire quoi? De démolir des forteresses. Dis avec moi, démolir. Démolir les forteresses. C'est pour cela que tu dois d'abord les identifier. Parce que si tu ne les as pas identifiées, tu ne pourras pas les démolir. Tu ne peux pas détruire et démolir ce que tu n'as pas identifié. J'ai beaucoup observé ceux qui travaillent dans la construction. Lorsqu'ils doivent faire tomber les murs, lorsqu'ils doivent couper les branches, lorsqu'ils doivent faire attention à un tuyau, lorsqu'ils doivent creuser quelque part, ils ont des bombes de traçage qu'ils utilisent, qui sont un peu jaunâtres ou fluorescents, et ils marquent. N'avez-vous jamais vu un mur qui va être renversé ou démoli? Qu'est-ce qu'on fait? On met une croix dessus. Et celui qui doit venir avec la machine pour détruire reconnaît que ça, c'est à détruire. Et là où il n'y a pas de signe, il reconnaît que ce n'est pas à détruire. Donc l'une des premières choses, c'est identifier qu'est-ce qui doit être détruit et qu'est-ce qui ne doit pas être détruit. Identifier. Parce que quand tu n'as pas identifié, tu ne pourras pas démolir. Parce que quand tu n'as pas identifié, tu vas cohabiter, tu vas rester dans la prison, tu vas être content dans la prison alors que tu n'es pas appelé à rester dans la prison. Je prie que le Seigneur te sorte de la prison ce mois d'octobre au nom de Jésus. Qui te sort de ces prisons. Le véritable combat spirituel, c'est celui-là. Gagner la bataille des pensées. Gagner la guerre contre ces voix qui te parlent avec hauteur et qui ne respectent pas ta foi. Tu dois les démolir. Les voix intérieures qui pourrissent ta vie. Pourrissent ta vie. Chasse les connexions. Chasse les hommes ou l'homme de ta vie qui s'en va. Chasse la femme de ta vie. Et tu es là, tu dis, mais moi je ne comprends pas. Je prie. Mais il n'y a personne qui frappe à la porte. Mais n'oublie pas, s'il y a une prison qui a été dressée parce que tu as connu tellement de ravages, tu as connu tellement d'abandon et de déception, et qu'en toi tu as érigé, sans le savoir, l'ennemi est passé par toi avec ta coopération, est venu ériger un esprit de régé. Et cet esprit de régé est venu et on te dit, les hommes, tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes sont infidèles. Les hommes, il faut juste s'amuser avec eux et puis le laisser passer. Et toi tu as pris et tu as laissé faire. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais les balancer. Je vais le faire amuser. Il va dépenser jusqu'à être fatigué. Et puis, quand j'aurai fini de le saigner là, et puis aller, dehors. Ah, ce que tu oublies, c'est que tu mettras aussi dehors l'homme de ta destinée. Dieu peut envoyer, mais toi, tu peux mettre dehors. Il y a des connexions de destinée que Dieu te donne. Mais que tu peux chasser juste parce que tu as cohabité avec des prisons intérieures. Quelqu'un dit, je veux sortir. Quelqu'un dit, je veux sortir. Quelqu'un dit, je vais sortir. À quoi tu reconnais ces forteresses? Simplement, ce sont des voies contraires, comme je l'ai dit, à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Lorsque tu vois l'impatience, ah! Forteresse d'impatience. Lorsque tu vois le manque de douceur, ah, aigreur, haine, amertume, colère. Non, je ne te laisse pas. Parce que la prison de la colère va faire en sorte que un esprit de rejet va commencer à repousser toutes les personnes qui s'approchent. Et tu vas commencer à te retrouver toujours
dans une certaine solitude, sans savoir. Et tu diras, mais pourquoi? Moi, je dis toujours ce que je pense. Moi, je fais toujours ce que je crois bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a une forteresse de colère. Parce que quand tu parles, ou quand tu donnes des conseils, ce n'est pas des conseils. Toi, tu réprimes, tu frappes et tu insultes. Ça, c'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Et après, tu dis, bon, c'est correct. Je lui ai donné ce qu'il fallait. Oh! Est-ce que les jeunes sont avec moi? Non, je lui ai donné ce qu'il fallait. Ah, tu lui as donné ce qu'il fallait. Mais attention. Parce que les connexions des destinées, tu vas les écarter. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Satan est tellement malin. Et comment il érige ses forteresses? Il vient depuis la jeunesse. Il vient depuis l'enfance. À travers, et ici je vais insister, bien sûr qu'il y a quatre facteurs principaux. Il y a quatre facteurs principaux qui font en sorte qu'il vient pour établir ses forteresses. Et quand on regarde ces quatre facteurs, il y a l'environnement culturel, il y a la famille dans laquelle on grandit, il y a les expériences que tu as vécues et il y a les associations. Il passe par là pour établir des forteresses. Mais aujourd'hui, je vais insister rapidement sur les expériences vécues. Après, on va identifier quelques types de forteresses qui découlent de là. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à les identifier. Si tu es avec moi, donne un bon amen. Les expériences que tu as vécues. Il y a des expériences douloureuses que tu as vécues. J'ai rencontré des personnes récemment dans une mission pastorale. Et l'homme a commencé à m'expliquer. Et lorsqu'il est arrivé, la première chose qu'il m'a dit, il a dit, « Oh, pasteur, moi j'ai besoin que tu pries pour moi pour que je sorte de l'impatience. Prie pour moi que je sorte de l'impatience. » Alors, déjà, ce que le diable a fait, il a mis une ruse pour lui dire, « Écoute, va, on va prier juste pour toi et puis tu vas sortir de l'impatience. » Mais il y avait une forteresse subtile qui était cachée à l'intérieur. Pas seulement une, plusieurs qui étaient cachées à l'intérieur. Parce que l'impatience n'est que la résultante d'une forteresse, l'amertume. Et quand on a commencé à creuser, quand on a commencé à échanger, par le Saint-Esprit, on a été poussé à poser des questions. Et des questions qui nous ont amenés à identifier, à discerner, à déceler la forteresse. Et le frère qui parlait, il a son entreprise, il est bien installé avec sa femme, il gère bien leurs affaires, mais ça ne le quitte pas. Il devient impatient contre sa femme, il devient impatient contre les employés, il devient même impatient contre les clients de son entreprise. Est-ce que vous voyez où est-ce que le diable l'a mené? Lorsqu'il vient, il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour arracher ce que Dieu t'a donné. Et par là, il passe par l'impatience. La forteresse de l'amertume s'est manifestée par l'impatience. Et quand on pose des questions, il raconte, il dit voilà, j'ai dit mais parle-moi un peu de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Je veux connaître un peu, parle-moi un peu de l'environnement familial. Et quand il a commencé à parler, il a commencé à tituber, il a commencé à verser les larmes. Et quand il parlait de son père, tu sentais qu'il y avait une haine, il y avait une colère qu'il habitait, qu'il n'avait pas discerné. Son père le frappait, son père le battait, son père le rabaissait. C'est quelqu'un qui est déjà dans la cinquantaine, mais son père le frappait, le rabaissait. Et quand je lui pose la question, mais qu'en est-il du père de ton père? Il dit, c'était la même chose. Mon grand-père battait mon père, il l'insultait, les injures, le rabaissait. Et moi, c'est la même chose que papa a fait avec moi. Il me tapait, il me rabaissait. Tout ce que je faisais n'était pas bon. Et quand il le disait, il pleurait. Il pleurait, il pleurait. Et là, l'amertume m'a été dévoilée. Tellement profonde. Et qu'est-ce que ça a fait? Mais parce qu'on le battait, parce que tout ce qu'il voulait amener, on le considérait comme nul, on le rabaissait. Donc le moyen de défense à travers la forteresse, c'était quoi? Chaque fois que quelqu'un essaye de donner une instruction qui est contraire à son instruction, il se lève, il discute, il ne veut pas. Et quand c'est sa femme, ça commence à créer des problèmes parce qu'il est associé avec sa femme. Ça commence à créer des problèmes dans l'entreprise. Quand la femme donne une directive, il ne veut pas. Mais aussi pourquoi?
Parce que, en parlant après avec la femme, ah, elle était aussi gangrénée par un esprit de rejet. Gangrénée par d'abord la forteresse et un esprit de rejet derrière. C'est venu de quoi? Quelles circonstances vécues? Elle a été violée alors qu'elle était jeune par un intervenant, quelqu'un qui était censé la protéger dans une institution, quelqu'un qui était censé l'encadrer dans une institution, l'a violée. Et après, elle est tombée en dépression. En tombant en dépression, elle a failli se suicider. Elle s'est même pratiquement suicidée. On a dû la récupérer, l'amener à l'hôpital, essayer de la suivre. Elle a commencé à piquer une crise au niveau de sa tête. Ça ne tournait plus rond. Elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Mais quand on pose la question, j'ai dit, mais explique-moi un peu. Est-ce que... Elle dit, non, moi, ça va, hein, j'ai pardonné. Mais quand j'ai commencé à poser des questions plus profondes, elle a éclaté en sanglots. Elle a éclaté en larmes. Et on a compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit aussi, parle-moi un peu de ton père. Elle m'a dit, mon père c'est un homme riche. Aujourd'hui c'est presque un millionnaire. Mais mon père n'a jamais été là. Mon père était toujours parti pour aller travailler. Mon père était toujours dans les missions. Était toujours en voyage. N'était pas là pour nous. Moi j'ai presque grandi sans mon père. Et je lui en veux pour ça. Elle a dit, je lui en veux. Pourquoi? Il a l'argent, c'est pas son argent que je voulais. C'est pas ses biens que je voulais. Moi je le voulais lui. Mais lui il disait qu'il allait chercher l'argent pour nous. Mais moi je le voulais lui. Elle a développé une sainte colère à l'intérieur. Bon, pas une sainte colère, une mauvaise colère, bien sûr. Pas une sainte colère. Une sainte colère après, quand elle a compris, elle a développé une sainte colère. Mais là, c'était une mauvaise colère. L'amertume l'a gangrénée. Elle s'enfermait, elle se retirait. Mais ce que cette amertume a fait, qu'elle n'avait pas identifié, c'est que l'homme gangréné par l'amertume aussi manifesta l'impatience. Elle dit qu'elle ne comprend pas l'impatience de son mari, ça c'était son problème. Ah, je ne comprends pas l'impatience de mon mari. Mais quand on pose les questions, on tombe sur le fait qu'elle a été, elle a connu un abus, elle est passée par les suicides, elle a connu plusieurs situations fâcheuses de la vie qui l'ont amené, notamment sur la situation de son père, qui l'ont amené carrément à rejeter l'autorité d'un père. Donc ça fait qu'on se retrouve dans un couple avec deux personnes gangrénées. Mais regardez la subtilité de la chose. Les deux n'avait pas discerné l'amertume. Et le diable était prêt à les amener plus loin même, presque même au divorce. Bien-aimé, si tu ne discernes pas cette prison intérieure, elle te fera du tort. Quelqu'un dit, aide-moi Seigneur. Quelqu'un dit, aide-moi Seigneur. Et quand on a commencé à parler, elle dit, c'est pour ça que quand je parle avec mon mari, chaque fois qu'il essaie de travailler certaines heures, il essaie de conclure certains contrats, il essaie de faire un peu plus, moi, je m'oppose parce que je ne veux pas qu'il fasse comme mon père, qu'il me lâche. Ah, voilà comment le diable a opéré. À travers l'amertume, la situation vécue avec son père, et l'autre, à travers ce qu'il a vécu, il ne peut pas accepter qu'on lui parle, qu'on le réprimande, qu'on essaie de le corriger. Non. Se lève. Tu sais, la plupart discernent cela. Beaucoup de ceux qui n'acceptent pas les réprimandes, beaucoup les acceptent ouvertement, mais intérieurement, ils se cachent. Au travail, tu acceptes juste comme ça, mais à l'intérieur, tu murmures. À l'intérieur, tu murmures. À l'église, n'en parlons même pas. Tu dis, bon, comme c'est le pasteur, bon, je vais juste accepter. Mais à l'intérieur, tu murmures. Mais quand tu murmures, bien-aimé, c'est une forteresse qui va t'amener à un rejet. Discerne qu'est-ce qui a causé ça et discerne c'est quel type de forteresse. Renverse cette forteresse en ce mois d'octobre dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Renverse cette forteresse parce qu'elle va te détruire. Elle va te détruire. Et dès qu'on a fini,
et que tout le monde commençait à demander pardon, et qu'on a commencé à demander pardon pour tout ce qui est arrivé, demander pardon pour le fait que ils avaient laissé les portes ouvertes. Oh, ils ont connu une grâce merveilleuse. L'esprit, l'homme fort qui était derrière est parti, parce que dès que l'homme a déclaré, a parlé, la femme a parlé, dès qu'on a enclenché les temps de prière, les démons se sont manifestés et sont partis. Les démons se sont manifestés. L'homme est tombé à terre, crié partout. Après, les démons partis, l'esprit de joie est venu. Ce soir, cet après-midi, ce matin-là, c'était magnifique. L'esprit de joie. Il a dit après qu'il n'a jamais. Il a fait une sieste alors qu'il n'avait pas fait de sieste depuis une dizaine d'années. Est-ce que tu vois comment c'est subtil? Ils ont dit, on a dormi comme des enfants. Des fois même dans certains couples, les gens n'arrivent plus à aller faire ce à quoi Dieu a établi ce couple-là dans la chambre, parce que simplement, il y a de l'amertume, il y a des images, et il y en a qui voient les images des abus, les images des violeurs, les images des pères qui ont fait du tort, et à cause de ça, ils sont bloqués. Certaines frigidités pour certaines personnes, entre guillemets, en passant, ça vient de quelque chose. Et si tu ne discernes pas, tu vas dire c'est normal, c'est comme ça. Certains sont célibataires parce que il y a une forteresse de célibat qui est déjà là et qui est venue par un événement fâcheux. Et comment ça se manifeste? Comment ça va se manifester? Mais simplement parce que elle opère toujours avec l'amertume. L'amertume. J'insiste beaucoup ce matin là-dessus. L'amertume. L'homme est parti. Quelqu'un t'a lâché. Il y a un divorce. Ou encore quelque chose qui est arrivé avec les parents. Et on a gardé une douleur. Mais quand on pose la question, moi j'ai déjà pardonné. Non, moi c'est correct. Tout le monde. Le déni va faire en sorte que tu restes dedans. Mais si tu identifies, tu reconnais et que tu dis, Seigneur, ne me laisse pas où je suis. Seigneur, je veux sortir de ça. Je veux sortir de ça. Comment tu sais que tu n'es pas encore sorti de ce manque de pardon? Simplement parce que quand tu parles de cette situation, tu pleures, tu cries, tu souffres à l'intérieur. Tu te lamentes à l'intérieur. Tu n'es pas guéri. Identifie. Mais comment tu peux identifier? Le psalmiste nous dit, dans le psaume, on va lire avec moi, psaume 139, verset 23, sonde-moi, ô Dieu. Quelqu'un dit, sonde-moi, ô Dieu. Quelqu'un dit, sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Les pensées qui me bouleversent. Ah, les forteresses qui me bouleversent. Pénètre, c'est-à-dire révèle, montre-moi. Quelles sont ces forteresses qui pourrissent ma vie? Quelles sont ces forteresses qui pourrissent ma vie? Tu dis, j'ai pardonné à cet homme qui m'a fait trop de mal. Mais je sais. Et tu pries, tu dis, tu venges-moi. Venge-moi contre lui. Venge-moi contre lui. Mais pourquoi tu pries que Dieu te venge? Amertume. Amertume. L'amertume. L'amertume. Bien-aimé, identifie. Identifie. Dis à ton voisin, identifie. Dis-lui, s'il te plaît, identifie. Identifie. Parce que quand tu n'as pas identifié, voilà ce qui arrive. Josué chapitre 23, verset 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet. C'est-à-dire un filet. Elles vous attrapent, vous emprisonnent, ces forteresses. Vous ne les lâchez pas. Vous ne les démolissez pas. Elles vous tiennent. C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes gens sont tenus dans la prison. Masturbation, impudicité, fornication, rébellion, indépendance. Et on dit, mais c'est normal, moi je suis adolescent. Je fais maman, je fais maintenant ce que je veux. Hein. Je fais ce que je veux, c'est comme ça. Oh, il y a une forteresse d'indépendance qui est en train de s'installer. Et cette forteresse va faire en sorte que tu vas rater une bénédiction. Laquelle? L'enfant qui obéit à ses parents, il vit de longs jours.
Tu vas vivre une vie courte simplement à cause de l'indépendance. Le sentiment d'indépendance. Un filet. La Bible dit un piège. Et la Bible ajoute encore un fouet. Dis avec moi un fouet. Ça dit que la forteresse peut devenir un fouet pour toi. Qui a déjà été chicoté à l'école? Ah, je pense que le souvenir là, ça te revient. Hein? Chicoté ou tapé dans la main, ça te revient. Alors imagine que la Bible dise que si tu ne les détruis pas, ils vont devenir comme un fouet dans vos côtés. Et la Bible ajoute, comme des épines dans vos yeux. Pas de vision claire. Presque pas d'avenir. Parce que les forteresses de mensonges, de vols, de calomnies, de murmures, d'amertume, de colère, d'impudicité, des tiennes. Et toi, tu dis, c'est normal. C'est normal. Non, c'est juste normal. Ce n'est pas normal. Le monde veut te faire croire que ce que tu as subi et ce que tu as vécu doit faire en sorte que tu repousses toutes les bonnes personnes qui viennent. Il y en a, je vais aller terminer. Il y en a qui ont connu des situations tellement douloureuses. Des hommes leur ont fait avorter. Et elles ont avorté. Et aujourd'hui, elles sont mariées. Mais dès qu'elles commencent à entrer dans le mariage, elles commencent à avoir peur. La forteresse de la peur commence à s'installer. Pourquoi? Est-ce que on dirait que je n'aurai pas d'enfant parce que j'ai beaucoup avorté. On dirait que je n'aurai pas d'enfant. Ok. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu as demandé pardon à Dieu, si tu les as avoués à Dieu, tu dois alors identifier cette forteresse et dire non, 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 non. Moi, j'ai demandé pardon. Moi, j'ai avoué. Donc, toi qui viens me parler, hein, cette voix-là qui vient en moi pour me dire que parce que j'ai avorté plusieurs fois, quand j'étais dans le monde, je n'aurai pas d'enfant. Je déclare que par ces meurtrissures, moi, je suis guéri. Et la Bible dit que la stérile enfante même sept fois. Lorsque le Seigneur l'a béni, elle enfante même sept fois. C'est-à-dire, moi, je vais enfanter. Toi, forteresse de père, je te démolis. Nous allons voir comment... Tu peux acclamer le Seigneur. Il y a des forteresses qu'il faut démolir. C'est une guerre. Voix contre voix. J'ai dit voix contre voix. Parole contre parole. Lorsqu'elle te dit que tu n'y arrives pas. J'ai dit souvent à certaines personnes, ne vous sentez pas lésés. Même si tu as eu deux enfants, trois enfants, quatre enfants, le monde va te dire que c'est à cause du fait que tu as eu un divorce ou des enfants avec des gens différents ou quoi, que tu ne vas pas te marier. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les expériences vécues et une forteresse qui vient s'installer pour te dire ce n'est plus possible. Mais toi, tu dois dire dans ton cœur, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux avoir connu plusieurs déceptions, plusieurs personnes qui t'ont laissé sur le chemin. Mais ne laisse pas une forteresse t'emprisonner. Que toi, tu n'es pas, tu ne peux plus être prise. Toi, tu ne peux plus. Non, rejette et dis non, 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 non. Non, je suis une créature merveilleuse. Mon Dieu m'a créé une créature merveilleuse. Mon Dieu a des plans pour moi. Il a dit que les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonne santé. Moi, je refuse, je rejette, je refuse. Il y a des gens qui sont passés par une certaine maladie difficile, compliquée depuis l'enfance. Et il y a une forteresse qui s'est installée. Et qui leur dit, tu vois, toi c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Et tu dis, bon tu vois, nous les gens qui avons ce type de maladie là, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, on prie juste Dieu. On prie juste Dieu. Non! La Bible dit que par ces maîtrissus, nous sommes guéris. Drépanocytose, je n'ai pas besoin de toi. Parce que si une limite a été fixée, moi, je dépasse la limite de la drépanocytose et je vais vivre les années que Dieu a décidé que je vive.
Il dit, je refuse. Quoi? Quoi? Non. Dans cette décennie de domination, quelqu'un va mettre une barre sur ma vie. Je refuse. Les circonstances vécues. Ah, tu vois, c'est parce que tu buvais beaucoup, cirrhose de foie. Tu vois, il n'y a pas de solution. Tu vas mourir. Et toi, tu te dis, bon, tu vois, je buvais beaucoup. Et puis, c'est des circonstances, oui, qui sont arrivées. Mais dès que tu avoues, dès que tu changes de cap, dès que tu rentres dans le royaume, tu demandes la grâce de Dieu. La grâce est disponible. Ses compassions ne sont point à leur terme. Ses bontés ne sont point épuisées. Alors que faire? Crier à lui. Dis avec moi, j'écris. Dis avec moi, j'écris à lui. Révèle-moi. Aide-moi à identifier ces forteresses dans tous les domaines de ma vie. Tu as eu une fausse couche. Et parce que tu as eu une fausse couche, la peur vient s'installer. À chaque fois que tu as comme ça ne bouge pas dans le ventre. On va courir. Allons à l'hôpital. Allons à l'hôpital. On dirait que l'enfant n'aime. Oh non. Refuse. Si tu sens ça, tu parles à le bébé. Tu déclares, toi, cette fois-ci, tu vas vivre. Forteresse de peur, je te renverse. Forteresse de peur, je te démolis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne crains point, ne t'effraie point. Ah, je refuse. Pourquoi je vais avoir peur? Parce que j'ai déjà vécu ça. Et beaucoup d'étudiants, ils arrivent, ils vont à l'université. Ils ont peur. La peur fait en sorte que tu n'as même plus de A+. T'as peur. Comme l'autre professeur t'avait terrorisé en Afrique. Ouais, le professeur de l'Afrique. Le prof de maths en Afrique, quand il rentre, tout le monde dit, aïe, 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 le prof. On n'aimait pas la tête du professeur de mathématiques. Alors tu arrives, bon, il y en a qui aimaient, mais toi, parce que tu n'aimais pas cette tête-là, alors tu arrives ici, dès que tu vois, mathématiques, oh, j'ai déjà échoué. Tu commences déjà, j'ai déjà échoué. Ben oui. Tu vas avoir même pas un D. Je pense que tu vas avoir un E. Pourquoi? Tu as déjà échoué. Tu as déjà perdu la bataille dans les pensées. Oh non, on m'avait chassé d'Algonquin. Maintenant, je suis à l'Université d'Ottawa. Et maintenant, on commence à arriver des examens. Ça m'arrive toujours à rapproche des examens. Oh, ça va encore m'arriver. Quoi? Je ne vais pas payer les frais. Quoi? On va bloquer. Oh, quoi? On va me mettre dehors. Oh Seigneur, je n'ai pas encore vu le transfert de la bourse. Je n'ai pas encore vu l'argent de mes parents arriver. Seigneur, oh. La peur, identifie-la. Démolis-la. Tu marches avec assurance. Tu dis, l'examen c'est demain. L'argent n'est pas encore arrivé jusqu'à minuit. Je n'ai pas de problème. Même à 1 heure du début de l'examen, Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Il te sera fait selon ta foi. Pas selon ta peur. Oh, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Vous savez, Gédéon, le Seigneur me le montrait tout à l'heure. On va aller terminer. Waouh. Lorsque je lisais tout à l'heure, le Seigneur m'a amené à regarder l'histoire de Gédéon. Et quand je lisais dans Juges chapitre 6, j'étais assis là et le Seigneur me le remettait. On dit, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal. De sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. 7 ans, ils étaient au pouvoir des Madianites. Pendant 7 ans. Et la Bible dit que l'oppression des Madianites fut dure, si dure, que les Israélites avaient fui pour aller se cacher dans les abris. C'est-à-dire que les Madianites ont fait souffrir les enfants d'Israël. Mais alors Dieu va parler à son serviteur Gédéon. Waouh, les forteresses. Et il parle au verset 11. Il lui dit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Oprah, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Waouh. L'ange vient dire, vaillant héros, vaillant guerrier. Il est caché. Et d'ailleurs, il faut reconnaître ici qu'il était en train de faire quoi? Il est allé se cacher quelque part. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé. Mais où?
au pressoir des raisins. Normalement, on ne bat pas les blés au pressoir des raisins. Donc la peur, la prison de la peur, l'avait déjà pris. Il a pris le blé, il est allé se cacher avec ça. La prison de la peur. Et maintenant, quand Dieu vient lui dire, il dit, vaillant héros. Il dit, ah, moi, vaillant héros. Je suis caché ici avec le blé au pressoir des raisins et tu m'appelles vaillant héros. Beaucoup sont dans de telles circonstances. Tu es tellement en train de traverser une situation compliquée et tu entends une voix de l'Esprit de Dieu qui est en train de te dire, tout va bien. Et tu dis, ah, ah, tout va bien vraiment. Alors que tu es en train de traverser comme des zones de turbulence, on vient de te dire, victorieux. Ça me rappelle certains jeunes à qui j'ai dit, hey, bishop. Il dit, ah, bishop. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, non. Mon passage a sauté. 11. L'ange de l'Éternel veut lui parler au pressoir. Et Gédéon, regardez, regardez comment Gédéon répond. Il dit quoi? Ça, ça m'a interpellé. Et le Seigneur me l'a donné pendant le premier culte. Gédéon dit, des grâces. Gédéon dit, des grâces. Des grâces. Vous connaissez cette phrase-là? Des grâces. C'est comme on dit, pardon. Ah, moi. Non seulement la forteresse de la peur, à cause du fait qu'ils avaient subi une oppression terrible des Madianites, qui les rabaissaient, ils ont fui. Ils ont été battus alors qu'ils étaient enfants de Dieu. À cause de cette oppression. Quand Dieu vient maintenant parler, il dit des grâces. Oh, il dit des grâces. Manque d'estime de soi. Est-ce que tu as discerné ça? Tu as discerné qu'il y avait un manque d'estime de soi en toi? Tu as discerné? Quand tu te retrouves dans certaines sphères avec nos frères de la peau blanche, comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu as comme l'impression que toi tu es petit, non? Forteresse de manque d'estime de soi. Ça te tient. Ça t'intimide. Insécurité. Tu es là. Oh, bon, parce que eux, ils sont des natifs. Qui t'a dit que toi tu n'es pas natif? Tout territoire que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ah! 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 Forteresse. Ça vient te dire que non, non, toi, tu ne peux pas entrer dans cette sphère. Tu ne peux pas entrer dans la corporation. Ah, je ne peux pas rentrer dans la corporation. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le Dieu de l'impossible. J'ai le Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Selon la puissance qui agit en nous. Donne-moi un bon amen. Oh. Je n'ai dit des grâces, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi tant de malheurs? Regardez, il commence à regarder ce qui lui est arrivé. Ce qui leur est arrivé. Tant de malheurs, tant de problèmes, tant de difficultés. Le Seigneur lui parle. Il revient encore. Regardez le verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Ah, quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a laissé cacher. Mais Dieu lui dit, va avec cette force qu'il y a. Ah, mais il s'est dit, mais quelle force que tu vois en moi? Mais quelle force que tu vois en moi? Mais qu'est-ce que tu vois en moi? Non, moi je n'ai pas de force. Moi je suis allé me cacher au pressoir des raisins avec le blé. Et là tu me trouves là-bas. Un, tu me dis, je suis vaillant héros. Et puis de deux, tu me dis, va avec la force que j'ai. Mais non. Oh. Regardez la réponse. Encore une fois. Mais Gédéon répliqua, des grâces, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Dieu lui dit, va avec la force. C'est-à-dire, Dieu identifie la force. Dieu lui dit que tu as une force. Dieu lui dit que tu as le pouvoir. Dieu lui dit que tu as l'autorité. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Tu vas battre les Madianites. Mais lui, il réplique. Il dit, mais avec quelle force que moi je vais aller? Forteresse de peur. Intimidation. Ça t'intimide. Dieu dit, avec moi, tu feras des exploits. Et toi, tu dis, ah Seigneur, ici au Canada, quel exploit on va faire ici au Canada? Le Seigneur dit, tu peux devenir enseignant dans la corporation. Tu dis, ah Seigneur, c'est très compliqué. Ces gens-là n'acceptent pas tout le monde. Forteresse. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? La Bible dit, avec Dieu,
nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh non, les gens qui deviennent des savants sont tous dans les petites maisons secrètes. Qui a dit ça? Daniel n'était pas dans les maisons secrètes. Joseph n'était pas dans les maisons secrètes. Le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, les a portés. Il y a des jeunes ici qui ont une intelligence à inventer des choses. Mais l'intimidation, la peur, ça les tient. Les expériences, les mauvaises expériences du passé, ça les tient. J'ai des jeunes ici, ils sont capables de s'asseoir, de te sortir un système, de te sortir des applications. J'ai été surpris un jour, un jeune est venu me voir, dit, je vais sortir une application pour l'intégration. J'ai dit, comment ça? Et quand il a commencé à m'expliquer l'application, il dit, tu vois, on entre les noms comme ça, et puis nous, on peut taper comme ça, et puis on a toutes les informations comme ça. J'ai dit, ah, toi, tu as sorti ça? Il dit, oui, je suis en train de le finaliser. Tu vois? Donc, c'est possible. Donc, c'est possible. Donc, c'est beau. J'ai dit souvent à ceux qui veulent entreprendre, je vais terminer avec ça. Beaucoup, le Seigneur leur a donné cette grâce. Tu as la grâce d'entreprendre. Bien sûr que tu dois te préparer. Mais à un moment donné, tu as peur. La peur te tient tellement que tu dis, hey, si je quitte mon emploi, c'est compliqué. Je suis professeur à l'université. Si je quitte mon emploi et que je commence mes formations, c'est compliqué. Renverse cette forteresse. Démolis cette forteresse. Il y a des gens que le Seigneur a appelés à aller faire des tournées dans les nations, à former dans les nations de l'Afrique, Haïti, les nations pauvres. Mais ils sont assis ici. Pourquoi la forteresse, l'accueil de la peur? En Afrique. Ah, en Afrique. Mais ceux qui sont là-bas qui réussissent, ils réussissent comment? Incline la tête en prière, bien-aimé. La Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Est-ce que tu veux crier? Tiens-toi debout. Crier, 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 crier vers lui. Pourquoi? Lui dire, Seigneur, je ne pourrai pas démolir une forteresse que je n'identifie pas. Seigneur, relâche une grâce. Relâche une grâce. Il est écrit dans le psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Seigneur, moi je vais crier. Je vais crier à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Nous crions, bien-aimés. Est-ce que tu as été crié de dire, aide-moi, sonde-moi, 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 oh Dieu. Oh, 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 je crie, je supplie, à révéler, Seigneur. Aide-moi à identifier ces forteresses qui se tiennent et qui nous empêchent sur le chemin de notre destinée. Avoir la lumière. Ces forteresses qui veulent résister, les forteresses de la peur, de l'impunicité, les forteresses de mensonges, de colère, de haine, les forteresses d'intimidation. Abba, nous crions, rêvez, 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 révèle-nous, révèle-nous ces forteresses, aide-nous à les identifier.
grave. C'est donc qu'il est écrit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Seigneur, ces forteresses pourrissent nos vies, pourrissent nos vies, pourrissent notre destinée. Nous avons besoin de toi. Alors, révèle. Sonde-nous. Élève la voix en prière. Élève la voix en prière. Dis-lui, sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu. Aide-moi à identifier ces forteresses. Oh Seigneur, aide-nous à identifier ces forteresses. Les forteresses de peur, les forteresses d'intimidation, les forteresses de murmure, les forteresses de critique. Seigneur, sonde-nous. Seigneur, sonde-nous. Ah Seigneur, sonde-nous. Aide-nous à les identifier afin de bien les démolir. Aide-nous à les identifier afin de les renverser, afin de les démolir. Seigneur, tu ne veux pas en ce mois d'octobre que nous restions sous les forteresses. Nous voulons les démolir. Maroto Maya, Erekanarama, Romosha, Marekanderama, Remado Robosa, Irikayama. Aide-nous, sonde-nous. Jérémie, sonde-nous. Abba, sonde-nous. Ah, sonde-nous. Aide-nous à identifier ces forteresses qui nous tiennent. Abba, sonde-nous. Aide-nous à identifier ces forteresses qui nous emprisonnent, ces voix intérieures qui nous tiennent, les voix des mensonges, les voix des diables, à ces voix qui nous tiennent. Aide-nous à identifier là-bas, afin que nous puissions les démolir, afin que nous puissions les renverser. Avant nous crions à toi, sonde nos cœurs là-bas. Montre-nous si nous sommes sur la voie droite. Sonde-nous là-bas. Montre-nous si nous sommes sur le chemin. Sonde-nous là-bas. Montre-nous là-bas. Aide-nous à les identifier. Les forteresses des colères, les forteresses d'amertume, les forteresses des critiques, les forteresses des sécurités. Sonde-nous. Les forteresses d'orgueil, révèle-nous. Les forteresses de fornication, sonde-nous. Abba, sonde-nous. Nos criants, Abba, sonde-nous. Ne laisse rien là de ce qui n'est pas en toi demeurer. Aucune prison satanique ne demeure. Aucune prison satanique ne résiste. Aucune prison satanique ne demeure. Que les prisons soient ébranlées. Alors aide-nous, Abba. À les démasquer, à les discerner. Aide-nous, Abba. À les identifier une par une. En ce mois d'octobre, Abba. Aide-nous à les identifier. Aide-nous à les démolir. Abba, Abba, Abba. Saint-Esprit, illumine les yeux. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous sachions quelles sont les forteresses qui nous tiennent encore avant. Nous crions à toi avant. Mais nous laissez pas là où nous sommes. Ne nous laissez pas dans ces prisons. Ne nous laissez pas dans ces forteresses. Ne nous laissez pas dominer par ces voies intérieures avant. Nous crions à toi, Abba. Nous supplions, Abba. Nous crions à toi, Abba. Nous supplions, Abba. Que les justes crient, l'Éternel entend, et il le délivre de leur tourment. Alors tu entends, Abba. Entends les cris de nos cœurs. Entends les cris de nos cœurs. Entends les cris de nos cœurs. Nous supplions, Esprit de Dieu, sonde-nous, sonde-nous, ne nous laissez pas ignorants, les forteresses qui nous emprisonnent, ne nous laissez pas ignorants, les forteresses qui nous tiennent, aide-nous à les identifier, sonde-nous, sonde-nous, à ce mois nous sortons, nous sortirons de ces prisons, nous sortirons de ces prisons intérieures, ces voix qui nous tiennent, ces voix qui
c'est la vie. Dans le nom de Jésus, nous sortons. Dans le nom de Jésus, nous sortons. Dans le nom de Jésus, nous les dominons. Nous allons prendre les déchus. Au mois d'octobre, là-bas, accomplis la parole de ton serviteur. Au mois d'octobre, là-bas, accomplis la parole de ton serviteur. Que les forteresses soient démolies. Les forteresses des limitations démolies. Les forteresses des mensonges démolies. Les forteresses d'amertume démolies. Les forteresses de manque de pardon démolies. Les forteresses de pauvreté démolies. Les forteresses de nonchalance démolies. Les forteresses de paresse démolies. Les forteresses de haine démolies. Les forteresses d'inimitié. Les forteresses d'impatience. Les forteresses d'orgueil. Les forteresses d'adultère. Dis-lui, Seigneur, merci de m'aider à identifier ces forteresses. Merci, Seigneur, parce que tu aides une personne connectée à la voix de ton serviteur cet après-midi à identifier une forteresse, à identifier cette forteresse. Seigneur, merci. Merci. Saint-Esprit, merci. Merci de nous aider à identifier. Merci. Merci. Oh, amen, amen. Amen, amen. Nous les identifions. Et nous les démolissons. Ces forteresses. Ces voix qui parlent avec hauteur. Les forteresses des limitations. Les forteresses des stérilités. Les forteresses des peurs. Les forteresses des murmures. Les forteresses des critiques. Les forteresses d'amertume. Nous les démolissons. C'est pour cela que nous disons amen. En ce mois d'octobre, elles seront renversées. En ce mois d'octobre, aucune forteresse ne va demeurer. Accorde-nous la grâce de les renverser, de mener le combat et de les détruire. Amen à ta parole. Forteresses, en ce mois d'octobre, seront démolies.